Oh, 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 oh putain, elle va exploser. Stop. Ceci est une expérience qui a raté, mais revenons un peu en arrière pour commencer cette vidéo. Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons tenter des expériences. Je sais pas du tout ce qu'on va faire parce que c'est Alexis à la prod qui nous a préparé et mis de côté des bonnes expériences. Écoutez, c'est parti pour soit foutre le feu à ma putain de baraque, soit bien sûr passer un putain de bon moment. Et abonnez-vous bien sûr avant de commencer. Let's go! Allez, c'est parti, on commence avec la première qui va être... Norbert, c'est moi. Nous allons réaliser une expérience très impressionnante avec le matériel que l'on trouve à la maison. Tu connais du tout, Alexis? Puis... Ça commence à être un peu long et chiant. Table, on enlève maintenant l'objet lourd qui retenait la lunette sur la table et... Tada! Je suis bluffé, waouh! Bon, faisons quand même l'expérience, ça peut être intéressant. Ok, une petite cordelette, on l'attache comme ça. Ok, par contre la mine elle est un peu longue. s'il te plaît Sylvie, tu viendras nettoyer mon studio après? Ouais, parce que là il commence à être le bordel là. Merci. Pétasse. Ok, le goulot, on attache comme ça. Ouais, t'inquiète, t'as pas besoin de me faire de tuto pendant des heures mon ref. T'inquiète, c'est je suis pas con moi. L'allumette ici, voilà. Ça tient! C'est pas le but de l'expérience, c'est pas fini. J'espère qu'Alexis, tu m'as réservé des trucs avec du feu parce que sinon je vais péter un câble. Oh, ça a l'air bien casse-couille. Oh, cette expérience, ça m'a l'air casse-couille. T'inquiète, si je suis pas con. Hein. Écoutez, je vais réessayer une dernière fois. Si j'ai de la bonne foi aujourd'hui. Ok, j'ai trouvé exactement la cordelette qu'il faut. Donc là, si vraiment ça marche pas, oh, ça va. Hein. Et maintenant, il faut trouver le point G pour mettre cette allumette là, comme ça. Attention, normalement, si j'enlève le pot de fleurs, tout se passe bien, les gars. 1, 2. Passons au suivant. Mélange 200 g de fécule de pommes de terre avec un verre d'eau. Mais c'est seulement si tu bouges tes doigts doucement. Si tu frappes fort avec ton poing, elle va se solidifier immédiatement. Oh, amusons-nous un petit peu. Ça j'aime. Ah, allez, c'est parti, on va tester. Ça, c'est horrible à trouver en magasin. J'adore cette vidéo, elle est super, putain, elle est si agréable, je l'adore, j'adore cette journée. Bon, hey, Sylvie, hein, le ménage, j'ai dit deux fois, ça sera pas tout seul. Hop, et on mélange. On est sur du à peu près. Putain. Wouah, c'est méga dur. Wesh. Attendez, attendez, c'est hyper chelou là, ce truc là. Écoutez, l'aspect est vraiment bizarre. Regardez juste déjà, si je mets mon doigt doucement. Ouais, ok, et si je vais fort? Ah ouais, oh, c'est trop chelou, regardez ce que je vois. On dirait un sable mouvement. Le mouvement. Là, vous voyez, là, je mets mon doigt doucement. Regardez bien ce qui se passe. Ah oh, bah, je peux aller dedans. Donc là, je suis dedans, là. Enfin, je suis dans la pâte, là. Voilà, ça fait, regardez, je vous mens pas, hein, j'ai le doigt un peu mouillé, un peu humide, ok. Là, le trou se referme, et regardez, là, je vais aller dedans. Je sais pas, j'hésite entre waouh, 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 ou... Waouh, c'est bien, c'est cool. C'est hyper dur, mais à la fois hyper liquide. Là, vous voyez, pour moi, c'est du plastique. Si j'y vais doucement, faut vraiment en fait y aller doucement. Et là, en fait, on se rend compte que c'est du liquide. Waouh, vous avez vu comment il s'est réparé? C'est un bobo super méga génie. Regardez comment ça se referme. Et c'est du liquide, regardez dans ma main, là. Waouh, wow, c'est incroyable. Vous voyez ou pas ce que je vois? Regardez comment ça se transforme en liquide. Et là, je le reprends et là, il est tout dur. Regardez bien, dur, liquide. Là, on dirait que j'ai du lait dans les mains, et là, hop, les... Et c'est tout dur comme... Wesh! Oh, bâtard, j'avais pas vu! Par contre, comment on s'attache bien? C'est parti, la troisième. 50 ml okay. De liquide vaisselle, et rajouter okay. Par-dessus 100 ml d'eau oxygénée. Ok! Oh, vous savez quoi, là? Je viens de voir, ça donnait quoi comme résultat? On va le faire ensemble, je vous montre pas, et vous aurez la surprise! Ok, liquide vaisselle, c'est bon, du coup, de l'eau... oxygéné. Elle est vraiment cool cette vidéo, dis donc. Ok, et maintenant, du coup, je dis de rajouter la levure chez boulangère. Vous ne savez pas ce qui va se passer, moi je le sais. Da, da, da. Si je rate ça, l'expérience est morte. Pourquoi ça marche jamais quand moi je veux le faire? C'est quoi? Faut peut-être rajouter un peu de liquide vaisselle. Peut-être rajouter un peu de... Oh non! Ça marche! Si, ça monte, ça monte, ça monte! Oui, ça peut remonter, oui, qu'est-ce que ça va faire? Ça fait quoi, ça fait quoi? Oh!
C'est fait exprès qu'au montage là, il n'y a aucun son, aucune musique, rien, parce que j'ai envie que vous soyez dans l'atmosphère dans laquelle je suis là actuellement, là, d'être devant ça, en train de vous faire une vidéo, et qu'il n'y a aucun bruit autour de moi, il n'y a personne pour réagir. Enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Waouh! Oh putain, elle va exploser! C'est faux, c'était juste pour le teaser! C'est pas mal, hein? On passe au prochain? Oui, allez. Pour cette quatrième expérience, nous allons faire un truc de malade. Ouais, on aura besoin de gel pour les mains, regarde. De disques de coton et de fil. Ouais. On va faire du feu ? Enflamme-la. Oui, le gel contient de l'eau et de l'éthanol qui est très inflammable. Mais souviens-toi, la sécurité d'abord. La sécurité avant, bébé ! Ok, premièrement, on joue avec du feu, donc mettre l'inflammable. Pardon ? Putain, j'ai cru qu'il y avait une araignée qui me montait dessus. Et bien sûr, on va se mettre un peu plus dans le noir. Ouais. Oh. 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 Putain, putain. Oh. 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 Stop. Stop. Bon, ça, encore une fois, c'était pour le teaser. Oh non, donne-la-moi. Non, 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 à moi. C'est un peu dangereux parce que je l'arrête quand. C'était... Waouh. Je pense qu'on peut aller au suivant, là. Bon, vous avez eu du mal à vous remettre, je peux comprendre, il y avait une flamme énorme devant vous. Donc écoutez, on va redescendre un peu là. Ajoutons du sel. Regarde comment les particules d'huile remontent du fond vers le haut. Ouais, ça c'est stylé, ça, ok. Ok, donc... Oh, les petites bébés. Comme promis. Allez, choisissez en commentaire, on va voir si vous êtes devant. Vraiment, venez, on joue le jeu pour une fois, et c'est pas du tout pour que ma vidéo marche et que vous commentez un maximum. Tout de suite, vous pensez que je vais mettre quelle couleur là? Dites-vous que vous allez gagner 1 000 000 d'euros, donc pariez sur le rouge, le jaune ou le bleu. Let's go. Dans les commentaires, allez-y, je vous laisse faire. Le rouge. Quelques gouttes. Wow! Vous savez quoi, vous avez tous gagné 1 000 000 d'euros, tout ça comme n'importe quelle couleur. Par contre, si vous avez pas commenté, bah vous avez perdu mon amour. Par contre, là, le vert est tout noir, là. En fait, je crois que j'ai foutu la merde. Ah non, oh, ça fait des trucs, mais on les voit pas. Ok, voilà. Voilà, pas beaucoup. Voilà, waouh! Wow, qu'est-ce que ça fait? Wow! Mais c'est incroyable ce que ça fait, je sais pas si vous voyez comme moi ou pas. Liquide vaisselle, ouais. Oh! Je voulais trop l'essayer ça. Un peu de lait. Waouh. Ok, là si on prend un peu de liquide vaisselle. Attention, on va tester, c'est parti ici. Wow! Pourquoi ça ne marche plus? Bon, ça ne marche plus, ça m'a cassé les couilles. Oh, 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 oh. Ah, ça, je vais le faire, ça. Joyeux. Ok, donc là, normalement, logiquement, regardez bien. Si on souffle, et que là, je mets là sur le truc, ça va se rallumer. On va tester. Attendez, je suis sceptique. Franchement, c'est pas un peu glauque. Là, il y a une bougie, j'ai les mains remplies de rouge. C'est pas un peu... Viens pas là, mon petit. On teste. Non, parce que je sais pas si vous l'avez vu, on voit la flamme tchou, retourner directement sur la bougie, c'est un truc de dingue. Et là, regardez bien. Waouh! Et... Oh, il était beau! Allez, c'est bon, je pense qu'on le valide celui-là, il était beau. Écoutez, venez, on fait un truc, regardez bien cette bougie, mettez tous un rappel sur votre téléphone. On va dans le futur, ok? Pour le 27 janvier 2023. Qu'on va fêter les 100 000 abonnés. J'ai mis un rappel, vous avez aussi mis un rappel, on fera une vidéo pour ça. Joyeux anniversaire, 100 000 abonnés. Bon bah voilà, merci à tous d'avoir regardé cette petite... Oh, non. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas, j'ai passé un très bon moment. Dites-moi si vous voulez revoir des genres de vidéos comme ça, où je fais des expériences avec du feu ou des trucs de malade. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci à tous. Ah